commencé l'école à l'âge de 16 ans à Chantilly. J'avais envie de faire le métier du cheval. J'ai été dans deux ou trois écuries. Puis après, j'ai rencontré Bernard qui s'est mis à son compte et qui avait besoin de quelqu'un. Donc, j'ai travaillé avec lui. Et on a construit comme ça l'écurie. Et quand vous étiez à Chantilly, enfin, après l'école, vous avez travaillé chez qui Alors j'ai fait l'écurie Lemierre, chez Gilles Lemierre, où j'ai appris beaucoup. Et puis après j'ai été chez Bernard. Donc, voilà, j'avais 18 ans. Et puis j'ai pas quitté. Voilà. Et rapidement, vous avez monté en course? Oui, de suite, dès que j'ai été à l'école, je courais beaucoup monter, moi, pas atteler. Et j'avais des résultats, j'ai pas gagné beaucoup de courses. Mais bon, j'aimais ça. Et j'ai arrêté de monter parce que je montais à l'ancienne et la nouvelle monte ne me convenait pas. J'ai pas réussi à y arriver. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais je regrette un peu parce que c'est vrai que j'aimais bien. Et vous rencontrez Bernard. Bernard, alors il en était où lui dans son parcours à ce moment-là? Eh bien, il commençait, c'était tout au début, il était juste à son compte, donc on avait une dizaine de chevaux. Et puis après, on a grandi un petit peu, on est monté voilà, jusqu'à 20 chevaux tous les deux. Après, j'ai eu quand même mon frère qui est venu en apprentissage, qu'on a gardé 10 ans, qui maintenant lui est à son compte. Et puis maintenant, Maxime qui prend la relève. Quel regard vous portez sur Maxime aujourd'hui? Par rapport à son évolution, ben c'est vrai que il s'est toujours intéressé aux chevaux. Ben petit, ben ils n'avaient pas trop le choix, hein, ils nous suivaient partout aux courses. Donc, mais bon, c'était un sportif, donc il n'avait pas dans l'idée automatiquement de venir dans les chevaux de suite. Et puis après, quand il a pris sa licence d'amateur, là je pense que ça y est, ça l'avait. Le déclic. Le virus l'avait attrapé. Et puis bon, il a la gloire, c'est un gagneur, donc bon, maintenant, c'est pas évident tous les jours parce qu'ils n'ont pas la même façon de voir les choses que nous. Mais bon, on travaille, chacun fait sa tâche et puis on s'en sort bien. Et le travail au quotidien, pas trop dur? Non, bon, moi je fais beaucoup, s'occupe beaucoup des chevaux, l'entraînement, tout ça. Moi je fais l'entretien, je m'occupe des soins. Je suis là en permanence avec eux. Les tâches sont réparties. Voilà, voilà. C'est ça. Chacun son job, comme on dit. Voilà. Et Bernard, vous avez quelle vie pour vous sa vision des courses à lui? Oh ben, c'est vrai que Bernard a toujours été lui c'est l'inverse de son fils. Il est il s'occupe de ses chevaux, il essaye de faire vieillir ses chevaux. Je ne sais pas, c'est un gagneur aussi, hein. Dans ce métier, il faut gagner. Mais bon, on se maintient depuis qu'il est installé, toujours pareil. Et la vie de famille, ça rentrait dans les détails, mais c'est pas trop dur, tout le monde travaille ensemble, et ben on travaille, les vacances, tout ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vacances. Et puis on travaille, c'est vrai qu'on travaille tous les jours, mais on a deux caractères différents. Il a un caractère très calme, moi j'ai un caractère un peu plus dur, mais non, ça va, ça se passe très bien. Et les courses, vous aimez aller aux courses? Moi je suis partout parce que c'est vrai que mes chevaux, je les suis aux courses, partout. Passionné. Passionné. Maxime, on est là pour évoquer ton père un petit peu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est ta fierté un petit peu? Ouais, bien sûr, c'est mon père, c'est mon exemple. C'est un mec droit, c'est un bon mec, quoi. Un exemple pour tous, je pense. Quand j'ai parlé un petit peu avec lui tout à l'heure, c'est vrai qu'avant de faire ce reportage, on a parlé avec pas mal de professionnels. Et le mot qui revient le plus quand on parle de ton père, c'est bosseur, quoi. C'est quelqu'un qui est vraiment un travailleur, et c'est ce que tu ressens toi au quotidien? Il vit que pour ses chevaux, ouais. C'est vrai que c'est beau à voir, quoi. Il vit pour son métier, il est toujours à fond là-dedans, et voilà, quoi. C'est sa vie.
Tu peux nous parler un petit peu de toi maintenant. Donc c'est vrai que plus jeune, tu te destinais à, et tu as eu des super résultats dans le judo. Je crois même que tu as fait un sport études. Tu n'étais pas forcément très passionné par les chevaux plus jeune. Et puis petit à petit, tu t'y es mis. Quel a été le déclic en fait? C'est vrai que je faisais judo, j'ai commencé jeune. Et bon, arrivé à l'âge où c'est que j'ai pu prendre une licence d'amateur, j'ai dit pourquoi pas me lancer. Et puis j'ai gagné des courses et puis au fur et à mesure ça m'a pris quand même. Donc voilà, et puis maintenant on y est quoi. C'est le goût de la compétition? C'est toujours plaisant, mais bon, je sais pas, c'est comme ça. Puis mon père a toujours voulu que je fasse des études disons normales, donc j'ai continué mes études et puis au moment où j'avais fini, j'ai décidé de venir travailler avec eux quoi. Ok. Et là, donc, ça fait quelques mois que tu es à l'écurie, donc tu travailles avec ton père et ta mère. Comment ça se passe entre vous? Ça se passe bien? Tout est bien huilé? Tout est bien, chacun à sa place? Ouais, chacun à sa place, mais bon, après, c'est pas facile tous les jours. Je pense que c'est la différence des générations, on n'a pas trop la même vision des choses. Mais bon, après, on s'adapte et on s'entend bien quand même. Vous vous complétez bien? Ouais, on se complète bien. On va dire que chacun fait ce qu'il doit faire et puis ça va. Tout à l'heure avec ton père, on a un petit peu évoqué le futur et l'éventualité que tu reprennes un petit peu la suite de l'œuvre de ton père. C'est quelque chose que tu aimerais faire à plus ou moins long terme? Ouais, je pense que ça se fera à court ou à long terme. Mais bon, mon père n'est pas à la retraite encore, il lui reste que quelques années. Donc on va voir. C'est quelque chose que tu appréhendes un peu quand même, ou vraiment tu te lances sans arrière-pensée en te disant voilà, bon, pourquoi pas moi, pourquoi pas? Non, le truc c'est que ça se passe tellement bien en ce moment, enfin, dans les amateurs quoi. Je gagne des courses, je cours tous les week-ends. Le truc de passer professionnel, ça fait peur quand même, parce qu'après on peut plus faire marche arrière quoi, donc ce sera peut-être pas pareil, mais bon, si je le fais pas, je pense que je regretterai un jour, donc voilà. Ouais, on sait que tu as ta place dans les pelotons des amateurs. Bon, t'es l'une des meilleures mains de la région, reconnue de tous. C'est vrai quand même qu'on a coutume de dire que les courses amateurs, c'est normal. C'est pas les courses professionnelles. Est-ce que ça aussi t'y penses? Est-ce que tu te dis, bon, aujourd'hui, c'est vrai que bon, j'ai fait ma place dans les pelotons des amateurs. Voilà, bon, on peut le dire, t'es un des meilleurs pilotes de la région. Est-ce que demain, prendre part dans des courses de professionnels, c'est quelque chose que tu apprendras quand même? Ah, ben c'est sûr, ça sera pas facile. Hein. Là, il faut repartir de zéro. C'est un nouveau défi, quoi. Maintenant, qui ne tente rien à rien, comme on dit. Ok. T'as des modèles de pilotes dans la région, en France, en Europe? Des modèles dans la région pour moi, un mec qui mène super bien ici, c'est Manu Criado. Je trouve ça stylé. Après, en France, j'aime bien Franck Ouvry. Okay. Pour revenir dans la catégorie des amateurs, donc tu as connu de beaux succès. Je crois que tu en comptes aujourd'hui 64. Est-ce qu'il y en a eu un qui a été plus marquant qu'un autre? Bon, la première est souvent marquante, mais est-ce que pour une raison ou une autre, hein, qu'elle soit humaine ou autre, est-ce qu'il y a une victoire qui t'a marqué le plus? Bon, voilà, c'est sûr que la première est belle, mais je pense que la première pour mon père est aussi belle. Ouais, tu t'en souviens, tu peux nous dire? Ouais, ben justement, j'avais gagné ma première course le dimanche à Montpazier pour Bruno Muel, qui voulait à tout prix me faire gagner ma première, il avait réussi. Et le lendemain, je gagnais pour mon père à Castera, et le surlendemain, je regagnais pour mon père à Beaumont. Et c'est vrai que des trucs comme ça, c'est quand même rare. Mais c'est vrai que passer le poteau pour la première fois pour mon père, c'était quelque chose de pas mal. Mais je sais pas si la plus belle, c'est pas celle de cette année, justement, à Villeneuve, parce que... Tu peux nous rappeler le nom du cheval? Ushuaïa Dizop. Sentimentalement, c'est la jument de mon pote et mon père entraîneur, moi qui drive. C'est vrai que des choses comme ça, c'est pas mal du tout. Le nom de ton pote? Maxime Carabignac. Ok, donc tout était réuni quoi pour passer une belle journée, famille, amis, chevaux et la victoire au bout quoi. Ouais voilà, non mais c'est vrai qu'après toutes les victoires sont belles, hein. Y a pas,
J'ai jamais gagné à Vincennes, alors bon, ça serait la plus belle, mais c'est pas possible ça. C'est un regret. Tu as couru quelques fois à Vincennes? Ouais, j'ai couru 2-3 fois, j'ai pris 2 places. C'est vrai que bon, on n'a pas les chevaux pour aller à Vincennes, c'est dommage, mais pourquoi pas. Et dans un sulky, c'est d'autres courses Vincennes, même en amateur? Oui, bon, Vincennes c'est l'autoroute et nous on court sur les départementales quoi.